Sur ces images, Redouane Faïd qui sort de sa cellule. Dans sa main, un sac rouge censé contenir son linge sale. Le surveillant ne procède pas à la palpation de sécurité. Faïd salue des détenus, puis entre dans le local d'entretien dont l'accès lui est normalement interdit. Il en ressort 22 secondes plus tard pour se rendre au parloir. Qu'a-t-il fait ou déposé dans ce local-là? Toujours est-il qu'un chien spécialisé dans les matières explosives va remarquer au niveau d'un casier dans ce local-là. Pour les enquêteurs, Redouane Faïd vient de récupérer son arme et les explosifs. Il descend au parloir, mais celui-ci est annulé. Son frère et son neveu ne se sont pas présentés. Dans le jargon pénitentiaire, c'est ce qu'on appelle un parloir fantôme. Redouane Faïd revient en cellule. Comme le parloir n'a pas eu lieu, son sac de linge sale n'est pas fouillé. Par la suite, Faïd Redouane va avoir un comportement atypique, puisque d'ordinaire, il assiste à l'ensemble de ses promenades, il va à la bibliothèque ou à la musculation. Or, suite à ce parloir fantôme, on va constater que Redouane Faïd va regagner sa cellule et ne sortira plus du tout jusqu'au lendemain matin dans le cadre de son évasion. Les policiers placent en garde à vue le surveillant présent ce matin-là. Confronté aux images de vidéosurveillance, il reconnaît des erreurs. Vous me demandez pourquoi je ne suis pas intervenu. Sur la palpation, je reconnais, je ne l'ai pas fait parce que j'y ai pas pensé. Sa présence dans le local d'entretien, je n'ai pas fait gaffe qu'il est entré dans cette pièce. Ça aurait dû m'interpeller. J'aurais dû m'en rendre compte. Comment expliquez-vous cette succession d'anomalies ? La routine. Erreur de ma part. Ce qui est incroyable, c'est que le gardien n'ait rien vu. On a l'impression qu'il est totalement berné par Redouane Faïd. Il n'y a pas que les surveillants pénitentiaires qui se sont laissés berner par Redouane Faïd. La hiérarchie, elle aussi. En fait, deux jours avant l'évasion, une commission DPS s'est réunie. Elle devait statuer sur Redouane Faïd. Alors, dans cette commission, il y a le procureur, les services de police, les services de gendarmerie et bien sûr la direction de la prison. Et à aucun moment, un risque d'évasion de Redouane Faïd n'a été évoqué. Est-ce que depuis, l'administration a reconnu ses erreurs ? Alors, elle a reconnu des fautes individuelles, mais elle n'admet officiellement aucune défaillance de l'institution. Écoutez le directeur régional de l'époque, Alain Jégot. Le type, il est seul en cellule. Sa cellule fait l'objet de contrôles réguliers. Il est pris en charge quand il y a des mouvements à l'intérieur de la prison, quand il sort. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus par rapport à la prise en charge d'un détenu ? Ça, c'est pour la théorie. Mais dans les faits, des défaillances, oui, il y en a eu. En fait, Redouane Faïd était soumis à un régime de détention plus strict. Sa cellule devait faire l'objet de contrôles et de fouilles réguliers. Il devait lui aussi systématiquement être soumis à des palpations de sécurité en sortant de cellule ou en revenant de parloir. Et ça, ce n'était pas toujours fait. Mais ça ne suffit pas, en fait, à expliquer l'évasion. Et les policiers restent persuadés que si une arme et des explosifs ont pu rentrer dans la prison, c'est grâce à une complicité interne. À la maison d'arrêt de Sequedin, l'enquête se poursuit pour identifier les complices qui ont pu faire entrer l'arme et les explosifs. Quasi tout le monde se soupçonne. Tout le monde se demande si... Enfin voilà, on se pose plein de questions à savoir qui, comment, pourquoi. C'était une ambiance ouais, glauque. Glauque, difficile à vivre. Les policiers suspectent un autre surveillant. Selon certains détenus, il serait connu pour faire entrer toutes sortes d'objets illégaux dans l'établissement. Il est placé en garde à vue. Réfléchissez bien. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de nous dire tout ce que vous savez sur l'évasion de Faïd Redouane ? J'ai jamais rentré des explosifs et des armes pour Redouane Faïd. Avez-vous fait rentrer autre chose que armes ou explosifs ? Oui, de la viande, des produits d'entretien, du parfum, des shampoings et aussi des cigarettes. Le surveillant sera révoqué
mais pas condamné. Les enquêteurs n'ont ni aveu, ni preuve d'un lien direct entre lui et l'évasion de Redouane Faïd. L'enquête sur les complicités au sein de la prison piétine. Mais la traque va connaître une brusque accélération. Quarante jours après l'évasion, les policiers reçoivent une information d'un de leurs indiques. Redouane Faïd aurait passé plusieurs nuits dans un hôtel de Roissy. Le fugitif serait accompagné d'un autre homme. Ils circuleraient ensemble, à bord d'une Peugeot grise. Sur ce type d'affaires, on peut avoir des tuyaux de gars qui auront un intérêt à donner une information qui permettrait peut-être, à minima, de le localiser ou d'identifier certains de ses complices. Ab initio, on ne sait pas si l'information elle est bonne, elle est mauvaise. Donc on va l'exploiter en allant récupérer dans tous les hôtels du secteur de Roissy, il y en a quelques-uns, les bandes vidéo, les parkings, les vidéos qui sont dans les hôtels en question. Image par image, les policiers épluchent des centaines d'heures de vidéos d'hôtels et de parkings. Un détail inattendu attire leur attention. Un des opérateurs de la BNRF va constater le comportement suspect d'un individu sortant la tête de l'habitacle pour insérer son moyen de paiement au niveau de la barrière. Sauf que lorsqu'il va remettre sa tête dans l'habitacle, apparemment, il est muni d'un postiche puisque la perruque va bouger. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on pense avoir Redouane Faïd. Pour la première fois depuis l'évasion, après 6 semaines de traque, les enquêteurs tiennent enfin une piste solide. À votre avis, on est content ou on n'est pas content? Évidemment qu'on est content. Entre le moment où on exploite ta vidéo et le moment où on se dit que c'est lui, il n'y est plus. D'accord? Il n'est plus à l'hôtel. Hein. Il ne nous attend pas, pieds et poings liés, en se demandant pourquoi on met autant de temps à venir le chercher. Donc, ça veut dire qu'on a, oui, on avance, on a, voilà, on a un fil à tirer. Grâce à cette image prise sur le parking, les policiers remontent jusqu'à un hôtel Ibis. 30 enquêteurs sont mobilisés pour éplucher à nouveau les vidéosurveillances de l'établissement. Cette fois, ils reconnaissent formellement Redouane Faïd. Il porte une perruque et des lunettes de soleil. Il sort de l'ascenseur, des sacs à la main. Sur une autre vidéo, les policiers le voient entrer dans l'hôtel, accompagné d'un homme. Là, on le voit en pied, on voit... Voilà, puis surtout, on détecte la présence d'un autre individu qui l'accompagne. Hein. Et pour le coup, celui-là, il a un nom. L'homme aux côtés de Redouane Faïd a réservé la chambre d'hôtel sous sa véritable identité, Hassan Bourouas. Âgé de 29 ans, il est connu des services de police pour vol et port d'armes, mais n'a jamais été incarcéré. Il a le profil parfait pour Redouane Faïd. C'est quelqu'un qui ne laisse pas de traces. On n'arrivera pas à lui remonter de ligne téléphonique. Et d'ailleurs, c'est une commande de Redouane Faïd pour avoir ce type d'individu à ses côtés. C'est un loup solitaire. Les critères demandés par Redouane Faïd, c'était quelqu'un qui n'allait pas lui amener la police, quelqu'un qui n'était pas recherché. Lorsque les policiers identifient Faïd, les deux hommes ont déjà quitté les lieux. Pour retrouver leurs traces, les enquêteurs sollicitent les groupes hôteliers dans toute la France. Ont-ils une réservation au nom d'Hassan Bourouas? Le 28 mai, la confirmation tombe. Un dénommé Bourouas occupe une chambre dans un motel de Pont-au-Combo, en Seine-et-Marne. La réservation est en cours, par contre. Donc il faut tout de suite se projeter sur le terrain pour aller vérifier et surtout valider cette réservation et confirmer que dans cet hôtel, il y a premièrement Bourouas et surtout Redouane Faïd. Un important dispositif de surveillance est mis en place. Une trentaine de policiers planquent dans des voitures sur le parking. Ils se font passer pour des clients ou du personnel de l'hôtel. Il guette le retour de Redouane Faïd et d'Hassan Bourouas. À 22h40,
les deux hommes regagnent leur chambre. Leur présence sur place est confirmée par des policiers en civil. Voilà, on est suffisamment bien placé pour confirmer que c'est bien lui qui utilise cette chambre et avec son homme de confiance. Donc une fois qu'il est dans la chambre d'hôtel, il y est. Donc il ne ressortira pas. La BRI nationale demande des renforts au PJ de Versailles et de Lille. Une centaine de policiers est sur place. Légalement, la police ne peut pénétrer dans un appartement avant 6h du matin. Mais dans les affaires de grand banditisme ou de terrorisme, les juges autorisent des assauts au milieu de la nuit. Le feu vert tombe par email à minuit 45. On va prendre le temps de s'assurer que les malfaiteurs sont bien endormis, donc on va attendre. Tant pis, on ronge notre frein, mais on attend pour être certain que l'opération se déroulera dans les meilleures conditions. Faïd et Bourouas occupent la chambre numéro 38. Elle est au premier étage, à l'entrée de la coursive. Une équipe de la BRI se met en position. Pour ne pas donner l'alerte, aucun client n'a été évacué. Toutes les sorties de l'hôtel sont bloquées. On va encercler l'immeuble pour permettre ensuite à la colonne d'intervention de venir se positionner. Mais au préalable, on a évité tout risque de fuite. Donc quand on est appelé sur ce genre d'événement, on a forcément une petite appréhension. C'est one shot, hein. C'est pas, on n'a pas droit à un coup d'essai et puis on ne peut pas se reprendre si jamais on a loupé. Non, il faut être sûr, notre coup, quoi. Après 46 jours de traque, la BRI donne l'assaut. La progression est annoncée par la colonne. Qu'elle monte dans les escaliers, qu'elle s'approche de la porte, qu'elle va pénétrer dans les lieux. Bon, évidemment, il y a le top interpellation qui est annoncé au moment où la porte est ouverte. On a quelques secondes de silence et puis l'annonce du résultat de l'opération. Objectif serré, interpellé, c'est surtout sans incident. L'opération a duré quelques secondes. Aucun coup de feu n'a été tiré. Redouane Faïd n'oppose aucune résistance. Il a vite compris qu'il ne pouvait pas jouer. Il sait qu'il ne pourra pas s'échapper. La différence d'individus qui pourraient être radicalisés, de malfaiteurs jusqu'au boutiste, on sait que Redouane, s'il a une porte de sortie, il va essayer de l'utiliser. S'il y a un petit trou de souris, il va vouloir le prendre. Mais là, il ne peut pas. Donc, comme il n'a pas envie de mourir, il ne fait rien. Il est groggy. Il est groggy. Et puis, il sait qu'il est fait. Il a les menottes dans le dos. Et voilà, il monte dans la voiture et il ne va pas dire un mot jusque dans notre bureau. C'est l'info du jour, l'arrestation de Redouane Faïd. La cavale est terminée pour l'ennemi public numéro 1. Interpellé dans la chambre d'un hôtel, Redouane Faïd, qui était grimé puisqu'il portait une perruque et une barbe. Sous très haute surveillance, Redouane Faïd est transféré au palais de justice de Lille. Face au juge, il ne livrera jamais le nom de ses complices. Interpellé avec lui, Hassan Bourouas sera condamné pour transport d'armes. De son côté, l'administration pénitentiaire va tenter de tirer des leçons de cette évasion. Vous découvrez les images de la garde des Sceaux, la ministre de la Justice. C'est tout de même assez exceptionnel de voir Madame Taubira entrer à l'instant dans le studio d'Europe 1 pour répondre dans quelques minutes aux questions de Jean-Pierre Elkabbach dans ce drôle de décor, Maxime. Oh oui. Pendant 6 jours, Christiane Taubira ne s'exprime pas publiquement sur l'arrestation. Puis elle choisit la prison même où Redouane Faïd est incarcéré pour une interview exclusive sur son nouveau plan de sécurisation des prisons. Xavier Yvon. Depuis Robert Badinter en 1976, à Fresnes, aucun ministre de la Justice n'avait accepté de faire une émission en direct d'une prison. Vous lancez, Christiane Taubira, un plan pour renforcer la sécurité dans les prisons. 33 millions d'euros seront consacrés à de nouvelles technologies de surveillance. Est-ce qu'une nouvelle évasion de Redouane Faïd, qui est ici à Fleury-Mérogis et qui écoute peut-être s'il a une radio, ou d'autres détenus
deviendra impossible. Mais je ne fonctionne pas aux faits divers et je n'établis pas un plan de sécurité de 33 millions d'euros sur la base de l'évasion d'un individu. Et ce plan gouvernemental annoncé, on l'a vu, à grand renfort de communication, qu'est-ce qu'il va changer? Eh bien, plusieurs dizaines de millions d'euros vont être investis pour empêcher que des objets rentrent illégalement en prison. Ce sont par exemple des portiques comme on peut en voir dans les aéroports ou bien des filets pour empêcher que des objets soient projetés par-dessus les murs. Et c'est efficace? Apparemment non, puisqu'à Condé-sur-Sarthe, il y a quelques semaines, la compagne d'un détenu a fait entrer illégalement un couteau en céramique avec lequel deux surveillants ont été agressés. Ce plan, il vient aussi renforcer les mesures de sécurité encadrant les DPS, les détenus particulièrement signalés. En fait, l'évasion de Faïd a révélé des pratiques très différentes en fonction des établissements. Donc un nouveau texte va venir harmoniser et renforcer ces mesures de sécurité. Bien, on imagine qu'avec toutes ces mesures, ce plan, ces millions qui sont investis, une évasion de Redouane Faïd est désormais impossible. En théorie, oui. Et pourtant, il va y parvenir en organisant lui-même sa propre exfiltration.